Hey. Yo tout le monde, c'est XPPLPG. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars sur Watch Dogs 2. Donc on est parti, on va continuer notre chinoiserie. Chinoiserie. Atteindre le phare de truc. Oh sa mère. Oh sa mère. On va spawn ici hein. C'est parti les gars. Tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti. On spawn souvent ici. Hop, on est à 900 mètres. Hop, le petit cible dead sec. Je reviens les gars. Re, je vais aller chercher de la graille. Il y a des keufs qui bougent pas derrière, je crois. Attends, on va voir. Oh, c'est chaud de pas taper. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Bon, ouais, ils sont buggés. T'as buggé parce que je suis au contresens, hein. Allez, c'est parti. Je kiffe trop cette peinture. Hop, donc on est sur l'autoroute, on sort déjà. On était sur une sorte d'aire d'autoroute en fait. On le freine bien en plus celle-là. Là on monte un petit peu dans les montagnes. C'est bizarre, je croyais qu'on allait à un phare. Je croyais qu'on allait à un phare. Ah ok. Le phare il est un peu sur une colline. J'ai l'impression. Non? Oh! Ça va? Ok. On passe sous une grotte, stylé. Je suis jamais venu ici, les gars. Je sais pas si ça existe vraiment des endroits comme ça à San Francisco. Parce que genre les vrais gros bâtiments, les ponts et tout, ça ok. Mais est-ce que les petits endroits comme ça, comme les phares, les centrales, est-ce que ça existe vraiment? Je sais pas du tout. Il s'est relevé, il t'a collé une droite. Et ben meuf. Hop. Je suis en train de voir un truc les gars. Maintenant j'en profite. Dès que je vois qu'il y a un point de recherche. Ah, il est là! Bah mec. Hop. OKLM, un point de recherche. Est-ce que ça nous a permis de faire des trucs? Ah ouais. Donc là on a 3, là on a 3, là on a 3. Alors attends, qu'est-ce qu'on a de disponible ici? Réduit le temps de recharge. Ouais, ça peut être cool, mais bon. Pour l'instant, ouais, ça c'est la gâchette. J'ai pas de flingue, du coup ça m'est pas utile. Expert de bricolage réduit.
Allez-y. Ouais. On va prendre ça. Ensuite, prochaine fois, on prendra le contrôle à distance. Ensuite, on prendra des botnets. Ensuite, bon, on prendra l'adresse au tir. Voilà. Voilà le programme, les gars. Mais range l'arme, The Bee. Pourquoi il va pas monter? Ah, c'est... C'est quoi ça? Oh! Une peinture. Ok, nickel. Démarrer la mission, c'est parti les gars. Zebali. Ok, j'y suis et je suis prêt. R.A., tu déconnes pas pour la vue. Je déconne jamais, amigo. Et commencez pas, vous deux. C'est bon, Ray? Ouais. Les protocoles sont prêts. Allons voir ce qui se passe dans cette péniche. Oh. Bon, tu vas faire quoi? Si j'ai bien déchiffré le plan, et c'est le cas, il y a des caméras faciles à pirater. Je vais regarder ce qui se passe. Et après? Je lui pirate la gueule. Faut juste que je trouve comment. Putain, c'est dingue. J'adore. Je veux mettre la main sur leur serveur principal, mais pour ça, faut qu'on le rapproche. Allez, j'y vais. On y est. Allez, arrête de nous faire mariner! Qu'est-ce que tu vois? Putain, on n'a pas affaire à des nazes. Il y a du matos, je vous dis pas. Je vois aussi un terminal d'admin, mais va falloir que je fouine un peu pour trouver les identifiants. Je suis quoi? Je crois que j'ai trouvé le mot de passe. Parce que tu lis le chinois, toi. C'est une séquence numérique. Ça coûte rien d'essayer? Alors attendez. Hop. Hop. Oh, un jump. Attends, je vois comme des jouets là. Du genre pour Josh ou pour Sita? Le genre qui marche sur batterie et que je peux commander à distance. T'es en train de te foutre de ma gueule. Alors, va falloir qu'on aille. Attendez, va falloir qu'on aille en haut là. Parce que je sais pas comment y aller moi en haut. Mon gars, tu vas m'aider toi. Toi, tu vas m'aider. Est-ce que tu peux me dire par où passer? Enfin, oui, est-ce que tu sais par où passer? Parce que là, à moins, je me fais taquer d'argent là. Hop. Merde. Attendez, faudrait que je retourne à la... Voilà, à lui. Est-ce que... Il n'y a pas un truc intéressant? On peut passer... Est-ce qu'on peut passer par là? Ah! C'est déjà plus intéressant. Aération.
Ok. Quel objectif est ça? ça? A l'air d'être une pièce importante. Voilà pourquoi on aime les gens qui cochent la case « se souvenir de moi ». J'ai trouvé un nom d'utilisateur. J'ai trouvé de quoi accéder au système du bateau. Super. Maintenant, on revient au terminal d'admin. Il est le terminal. Attendez. Ah! Je me suis cassé la gueule. Ah merde. Ok. Ok. Pirater le terminal administrateur. Je suis dedans. Et t'as une idée pour rapprocher la péniche du rivage? Essaie de détraquer leur jauge. Ils penseront qu'il y a une fuite. Ouais, bonne idée. Ok, les jauges de carburant sont détraquées. Du coup, ils vont devoir regagner la côte pour ravitailler. C'est bien joué, ça. Y'a un bateau qui t'attend au quai de marine. Je suis vers la porte. Hop. On saute par là. Et on va, du coup, nous, les gars, ici. Y a pas de... Y'a un hacker space. Bon, on y va. Là, ah ouais, c'est, je sais pas, c'est peut-être le bunker. Il y a plein de hacker space. Je sais pas si c'est le bunker qu'on a débloqué. Comment je sors par contre? C'est l'imprimante, ouais. Les vêtements. Oh, attendez, je me suis raté. Comment on sort? Parce que là c'est cool, mais. Allez! Mais frère, comment on sort de là? Et on peut pas sortir. Attendez. Oh là, je vois quelque chose. Ah si, c'est là. Allez, quoi, marqué, c'est pas chier. Oui, j'avais pas vu. Bon, je pense que c'est la dernière partie de l'opération là. De la mission. J'allais voir. Je rigolais. Allez. Putain, mais on est bien intégré, nous.
J'arrête pas de sortir mon arme sans faire exprès, ça commence à me saouler. J'ai chaud. Allez, on est parti. On est sur une petite route de... De comment ça s'appelle? De bord de mer, de littoral. Merde, j'ai noyé la moto. Drapeau gay. Merde, je suis tombé de... Je me suis trompé de... De pont. Putain, je cherchais un mot. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je parlais pas, les gars. Let's go, je pense qu'on va devoir prendre un petit bateau. Enfin, un bateau, tout court. Et... Salut Rétro, j'ai préparé ça. Pour aller à la péniche. Super, tu viens Après, on aussi? doit s'infiltrer, Non, je j'ai mal de pense. mer. Quand la péniche sera à portée, tu pourras l'atteindre rapidement. Ok, let's go. Je la vois pas la péniche pour l'instant. Allez. On va prendre ce bateau. On est parti pour 2000 mètres. Marcus, j'ai rapproché tous les piratages de péniche avec l'activité de la bourse de New York. À chaque fois, ça correspond à des périodes de trading ultra volatiles. Je suis remonté jusqu'à 2007. 2007? Attends, tu veux dire que la crise financière, c'est... Un test de Bellwether, qui visait à manipuler les séquences de transactions sur un marché déjà fébrile. Mais ils ont fait comment, les Chut, choupeurs? il y Ils avait la pourront accéder lumière. à... À moins que... À moins que... Qu'on leur ait filé l'accès. C'est possible ou pas? Peut-être. On est où, du coup, là? On est au bord de la map, on est ici. Ouais, c'est interdit, hein. Je me disais bien aussi. Fou lui. J'ai atteint la péniche. Reste en ligne. T'as pas le droit à l'erreur, là. Je promets de pas me noyer. J'y vais. Dites-moi merde. Je sais pas du tout comment je vais faire. C'est quoi ton plan? Vu la taille du bateau, il y a peut-être des centaines de serveurs. Si on veut trouver le bon serveur, faut que je hack le terminal de l'admin. Je vais aller chercher. J'ai vu qu'il y avait une clé d'accès. Merde. J'ai oublié où était la clé. Faut que je me dépêche là pour me faire repérer. Hop. Nickel. Donc du coup... tout contrôler et faire une connaissance au je vais faire une reconnaissance au jump
Souvent il y a un terminal ou un truc dans le genre. Ou alors je... Non, rien. Au pire, si j'y arrive pas, j'appellerai les flics. Il y a donc, je pense, bah, apparemment, il n'y a pas de terminal pare-feu. Il n'y a pas de terminal pare-feu, apparemment. Là, je sais pas du tout où je vais, les gars. Hein. J'inspecte un peu le bateau, en fait. Attendez, je vais rappeler le jump. Je sais pas du tout où est-ce que je pourrais aller. Ouais, même pas. De. Bah, en vrai, on peut pas aller directement. Essayer d'aller directement au point orange, les gars. Parce que je pensais qu'il allait avoir. Je sais qu'il allait avoir un terminal pare-feu, un délire dans le genre. Bah, apparemment, non. Donc je vais directement aller là-bas. Hein. Hop. Nickel. Donc j'ai le serveur. Ça devrait aller. Je vais voir si la Ok. backdoor fonctionne toujours. J'ai identifié le serveur principal, il n'y a plus qu'à le trouver physiquement. C'est transportable, mais peut-être que pour toi ça l'est pas, si? Ah ouais? Il fait quelle taille à ton avis? Le genre industriel. Je laisse la ligne ouverte. J'ai trouvé le serveur. Au fait, comment je suis censé me tirer d'ici? Sur le plan que t'as trouvé, il y a un ascenseur de service. Tiens, un Ok. de service. Je t'ai raconté la blague du. Wrench, plus tard. Non, mais c'est celle avec le cheval de course. Plus tard, on t'a dit. Installe le serveur comme il faut et on s'occupe du reste. Il est là-bas, là, ça sert. Nickel. Ok, mais par contre, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse Ok. Bon, bah... C'est parti. Nickel. Ok. Merde, c'est pas bon ça. C'est quoi le plan? Je bouge pas. Je suis presque.
Josh, alors, merde. Non. Top chrono. 40 secondes, les gars. Je bouge pas. Hein. Je bouge pas. Plus que 29 secondes. Un bordel. Quoi? J'aime bien être ponctuel. Je vais me rapprocher du pont, faut que je me rapproche du pont. Josh, t'es où? Tu devrais pas tarder à me voir. Là. Non mais je suis censé voir quoi surtout? Oh putain! C'est ton drone ça? Surprise! Construit sur mesure. Marcus, t'es où? Il faut encore que t'accroches le serveur au drone. Au drone? Mais. Ouais, c'est bon, laisse tomber. J'arrive. Ok, ça va être dur. Ça va être plus que dur. Oh, ça va être impossible même. Le stress, frère. J'y arriverai jamais. C'est impossible. On va attendre les gars. Il remonte. Non frérot, t'as rien vu. T'as rien vu, s'il te plaît. Mec, t'as rien vu. Je te jure que t'as rien vu. Tourne-toi et avance. C'est quoi? Mais mec, comment tu veux que je fasse? Ah oh, putain. Ah putain, je suis con, fallait que j'approche le Manitou. J'espère que je dois pas tout recommencer. Oh merde! Oh c'est bon? Oh putain de merde! Oh tu as réussi? Qu'est-ce que je fous là-dessus moi? Moi bon, j'ai réussi. Pourquoi tu l'as fait voler ce machin? Bon, bah j'ai réussi. Je sais pas comment j'ai fait, hein, mais j'ai réussi. Nous sommes heureux que ces hackers soient enfin traduits en justice. L'affaire des câbles sous-marins et celle d'espionnage et de sabotage menée par des groupes comme DedSec montrent qu'il y a clairement des failles dans le système. Mais sachez toutefois que Bloom travaille actuellement d'arrache-pied sur un projet qui éliminera... Cet enculé a donné accès au Bellwether à des hackers pour qu'ils puissent le tester pour lui. Et il a présenté l'attaque comme une vulnérabilité des câbles sous-marins. Faut reconnaître qu'il est bon, ce bâtard. Encore plus d'entreprises. Je crois. Il essaie encore de neutraliser notre action en nous présentant comme une menace. Et on est une menace. On s'est tous mis d'accord pour jouer la partie selon nos règles. Est-ce que ça a changé? Ok. On a presque tout ce qu'il nous faut pour le dégager une bonne fois pour toutes. Alors on se remet tous au boulot et on assure le coup.
Ouais. D'accord. Nickel. Allez, plus 8 points de recherche. Hop, recherche. Donc, on a dit contrôle à distance. Boum. Et on a dit adresse au tir. Voilà. Et ensuite, du coup, on a dit botnet. Après, quand on en aura assez. Et ensuite, du coup, on passera au piratage de véhicules, je pense. Ouais, on passera au piratage de véhicules. Parfait. Encore? Bah les gars. On a eu taquet de followers là. Un peu beaucoup quand même. Tu vas aller s'habiller. Ah non mais en fait il nous les avait déjà comptés, je me suis dit. Je me disais aussi opération secondaire, opération principale. On va faire ça. Qu'on va commencer hein, parce que. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On va commencer. On continuera dans l'autre vidéo. Hop, changer de fringue. Vas-y, on va le mettre, hein. Hop. C'est quoi le nouveau truc? Ça. Pas ouf. Oh, ça prend trop stylé, par contre, je vais le mettre. Pas de nouveau masque, on a des nouveaux pantalons. Hop. Et voilà. Nickel, bon, restez comme ça. Faire des achats d'habits. Vous savez quoi? Ah oui, mais si on les achète, ça nous les met. Donc non, on en achètera plus tard. Et on va parler à Citara. Système de DedSec sur les données récupérées chez Galilée. On a trouvé des trucs? Une putain d'avalanche de trucs, ouais. En fait, j'ai déjà repéré une énorme opportunité pour nous. Il se trouve que pour sa campagne de réélection au Congrès, Truss bénéficie du soutien logistique d'Invite. C'est chelou. Et illégal. Ouais, pourquoi pas un simple soutien financier? Invite collecte des données depuis des années. Et ça, ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Mais pourquoi un abruti comme Truss? Il reconnaîtrait même pas sa bite si on la lui montrait. Alors, on a qu'à le titiller, foutre le bordel, et on verra bien ce que ça donne. Ouais, on le force à réagir pour qu'il fasse une connerie. Je vais l'annoncer, ça. Marcus, tu crois que tu pourrais le provoquer un peu? Ah ouais, j'ai exactement ce qu'il faut. Viens faire une petite beauté à l'énorme panneau sur lequel il y a sa sale gueule, histoire d'envoyer un message. Et moi, je vais regarder le financement de sa campagne. Et moi, je vais... pourrir ses médias sociaux, je vais pourrir son site web et je vais pourrir ses bannières de pub. Eh bah ben, moi je vais aller reprendre une bière. Vos libertés peuvent être protégées uniquement là où règne la démocratie. Hors des intérêts privés faussent les élections. Vos élections. Votre réseau social préféré, le géant Invite, c'est absolument tout de vous. Et il manipule votre fil d'actualité pour vous influencer selon ses intérêts. Il vous incite malgré vous à voter pour leur marionnette, le député Mark Truss. Invite détient l'outil de contrôle des populations le plus puissant jamais créé.
défendez la démocratie. Aidez-nous à détruire Invite. Prêtez-nous votre puissance de calcul à l'aide de notre application et nous montrerons le vrai visage de Tross. Rejoignez-nous. Nous sommes DeadSec. Nous sommes DeadSec. Donc les gars, on est à environ à 80% du jeu, hein. Je pense qu'il nous reste que quelques vidéos. Donc ouais, on était à 74 quand on n'avait pas fini la cette mission là, donc là on doit être à 80 je pense. Je dirais ça quand on arrêtera. Là on va faire le début du royaume des moutons, donc le... Comme d'hab, je pense qu'il doit y avoir 5 parties, 5 missions. Attendez, hop, voilà. Taguer le panneau d'affichage de Tross. Hop, et juste à côté, c'est parfait. C'est parfait, en tout cas, moi je le kiffe ce jeu. Ce truc de malade. Donc taguer, on a déjà fait, hein, là, on a déjà fait une mission. Je sais pas si... Je sais pas environ combien de missions il nous reste. Moi je dirais... Bon allez, 4. Plus la cinquième, c'est la mission finale. Ça m'énerve. Ouais, je dirais ça. 4 et 5 avec la mission finale. Environ. Donc 3 qu'on n'a pas du tout découvert. Et l'autre, ce serait celle-là. Puis après la mission, la dernière mission. Donc une grue, je pense que assez logique. C'est joli, San Francisco. Je fais écraser là, non? Hop, on va se mettre là donc. Hop. Donc, attendez, j'en profite pour faire ça. Option du jeu. Déconnecter. Nickel. Oh. Attends. On est là-bas, nous. Donc on met ça au bout. On va se coller au bat. Nickel. Hop. Marcus. T'es où? J'ai la sale gueule de Tross sur un panneau publicitaire géant juste devant là. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est parti. Hop. Ah. Oh non, mais il y a à chaque fois qu'on récupère, on peut récupérer des trucs comme ça. Faut envoyer son jump, je crois. Non. Ouais, faut envoyer son jump, ça déverrouille. On connaît. On avait déjà, on fait ça souvent quand on monte sur des. Heureusement qu'on peut faire ça quand même. Pas que je tombe. Allez. Nickel. On branche ça. En vrai, il faudrait que j'aille voir dans l'imprimante 3D, j'utilise jamais des armes. Enfin, je crée jamais d'armes, de trucs dans le genre. Oh, putain.
En fait, c'est que la gâchette elle s'appuie toute seule. Vous voyez, regardez. Là, je passe mon doigt dessus. Voilà, tu vois. Donc, c'est chiant. Hop. Nickel, normalement, c'est bon. Je l'ai remis en place. Alors, on y est. Ah, j'étais un graffiti. Je sais pas ce qu'on va faire comme graffiti. En tout cas, si c'est des opérations comme ça, c'est un peu simple. Mission accomplie. Salto. Et là, on doit aller où? On sait pas encore. Ah. Il saura qu'on en a après lui maintenant. Bon boulot. On a toute une équipe en train de bosser sur les autres panneaux de truss. Cool. Et moi, j'écris une charge utile qu'il faudrait déployer sur le serveur d'Invite. Retrouve-moi devant leur bureau et je te brieferai. Ok, à toute. Hop. On remet ça juste correctement. Voilà, c'est remis correctement. Nous, on est descendu de là. On va ici. On y va. Hop, on y va en voiture. Hein. Non, bolide. Non. Putain, ta gueule. Celle qui parlait, là, elle cache les couilles. Oh, elle est taille qui est belle. Allez, bah. Monte. Ta gueule, celle qui parlait, elle casse les couilles. Ok, donc mon assistant Google s'est activé. Je suis mort. Hop. Vous voyez, on a la moitié, on a déjà fait deux opérations. Et ça, c'est juste le briefing. En gros, on devait juste parler à Citara. Hop. On y est presque hein, les gars, c'est 100 mètres. Non, ouais, elle va vite quand même celle-là. C'est pas la, je crois que c'est le moins beau bolide, enfin celui qui coûte le moins cher. Mais maintenant que j'ai un peu augmenté niveau sous, je vais pouvoir m'en acheter. Oh non, j'ai cru que j'allais vraiment pas faire d'accident. Mais bon. Un épisode Watch Dogs sans accident, c'est pas un épisode Watch Dogs. Faut s'asseoir sur le banc. Démarrer la mission. Ok. Ça s'est pas super bien passé là-dedans la dernière fois. Un putain de bad trip.
l'histoire. À cause de ça, ils ont renforcé la sécurité, je vous signale. Ah ouais. Ah bah super. Alors déjà on a deux clés de sécurité. Donc bah allons les choper hein. Même si ça sert à rien. Une invite. Je suis déjà venu ici ou pas, je m'en rappelle plus. Bah une ça suffit. Ok. Bon bah on va rentrer hein les gars. On y rentre hein. Ouais. Y'a pas... D'accord. Vas-y, viens là. Voilà. Ah, est-ce que je fais ça? Non, j'ai juste essayé de lui mettre un coup de taser. Parce que j'avais vu ça, les gars. J'avais vu ça. C'est pas moi frérot, c'est pas moi. Ouais, donc on va peut-être pas pouvoir rentrer par là. Hein. Je pense même qu'on va pas le faire. Hein. Mais normalement j'ai tout se bloquer. Chut. Ta gueule. Ouais, attends, je vais essayer de tous les éliminer. Les gardes. Mais putain, range ton arme, Marcus. Ok. Et de 3, les gars. Hop, hop. Voilà. Ça, c'est nickel. C'était si jamais il se réveillait. Ok, on le stresse les gars. Hop.
Comment je vais faire là? Allez. Bah, il me voit pas ce con. Ok. Ok, ça y est. Super, on va pouvoir enregistrer ces conversations et comme ça on saura enfin tout ce qui est essentiel dans votre secteur. Faut que t'ailles à la salle des serveurs pour installer la backdoor. T'inquiète, je sais. Petit rappel à tous les inviteurs. Nos projets doivent absolument rester confidentiels. C'est clair pour tout le monde? Donc, si quelqu'un nous demande sur quoi on travaille, parents ou amis, on ne dit rien. Pas même que vous ne pouvez pas en parler. Dites simplement que vous n'aimez pas parler de votre travail et changez de sujet. Et ça, même si la personne a... Comment on descend? Merci à tous. Comment on descend, putain? Y'a pas... C'est un ascenseur ça? Allez! Ça va pas tirer. Oh non! Mais de toute façon je suis... Normalement c'est une veille qui me cherche, c'est pas la police. Alors attendez. On va trouver. On peut descendre. Oh les bâtards! Hop, bouge pas Marcus. Je prends ça, c'est... Non! Oh les fils de pute! Je vais galère? On se part si. Allez les gars, on a l'habitude maintenant de ça. Ok. 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 En vrai, c'est amusant ça, mais... En fait, quand on a l'impression que c'est long, mais en fait... On peut si enfin c'est assez facile, c'est assez simple en vrai. Mais bon, on sait jamais à quoi s'attendre. Je trouve là je vais galérer après. J'en ai aucune idée. Ok, donc là ça va pas, donc déjà on va mettre ça droit. Au moins quand il y aura du courant ici, ça sera bon. C'est bon. Donc là c'est compliqué parce que je sais pas comment faire pour ça. Hop. Je mets déjà ça les gars. Ensuite. Je sais pas comment faire. Je t'avoue. J'ai dit que c'était simple un peu trop vite. Hop, ah oui, c'est juste que j'avais pas tourné le truc en haut. Donc là, hop. Ok, ça j'ai déjà tourné.
Et ça c'est bon. Ouais, en vrai je kiffe trop faire ça. C'est trop amusant. Non, j'avais galéré parce que j'avais pas trouvé, mais... Ok. Hop, allez. Là c'est une backdoor. J'ai tué tous les gardes par contre. Bien joué, monsieur. Alors, c'est dit quoi de beau? Est-ce que tu vois ce que je vois là? On dirait... Putain! Ils utilisent Bellwether. Merde! Ça veut dire que Bloom est derrière tout ça? Les chiens, ils manipulent les gens de manière à ce qu'ils votent pour Truss! Tu sais quoi? Donc en fait, Bloom manipule Invite. Et Invite manipule le... Ah ouais, ça me plaît. Le... Allez-y. Le député là où je sais pas quoi. Allez, barre-toi maintenant. Donc Bloom ce qui contrôle indirectement le député ou le celui qui se présente là, je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, voilà. On a tout compris, Bloom manipule tout le monde. Ouais, ça sert à quelque chose ça. Hop, on prend la mini et on se casse. Mission accomplie. C'est bon, je suis sorti. J'essaie de modifier l'algorithme d'Invite histoire qu'on puisse niquer Truss. Eh, un des autres candidats organise un meeting. Ouais, un candidat. Voilà. Ça marche, je te retrouve là-bas. Cool. Hop, on ouvre. Ah bon, on va s'arrêter là, je suis con, ça fait longtemps qu'on... Ça fait longtemps. Oh, ah oui, ça fait longtemps, putain. Bon bah les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Activer la cloche de notification, lâcher un gros pouce bleu. Et nous, on se dit à la prochaine.